La nouvelle décharge de Mdjouna est fin prête. Sa mise en service officielle devrait être ordonnée par le gouverneur après l'homologation de la nouvelle structure par le président de la commune d'El Mjatea Ouled Taleb. Cette décharge est l'aboutissement de 5 ans de travail pour mettre fin à ce point noir de la ville de Casablanca. Je vous propose d'écouter le chef de division de traitement et de valorisation des déchets. Là, on est sur le site de la décharge contrôlée de Casablanca. Le site, il fait 35 hectares. Le site, donc, il va accueillir environ 4000 tonnes de déchets ménagers assimilés par jour. Le site, il dispose de plusieurs équipements et installations, donc, à savoir un premier casier de stockage des déchets aménagé sur une surface de 11 hectares et un bassin de stockage d'Ilixivia avec une capacité de 38 000 m3. Le site dispose aussi d'une station météorologique pour le suivi des paramètres météorologiques, à savoir la pluviométrie, l'évaporation, la direction et le sens du vent et aussi la vitesse. Pour la surveillance et le gardiennage, donc le site il dispose de plusieurs caméras de surveillance haute définition pour le suivi à distance de l'ensemble des étapes d'exploitation de la décharge.